L'appétit de merveilleux, tel qu'il n'est pas impossible de le raviver au souvenir de l'enfance. On ne peut plus à contre-courant, en violente réaction contre l'appauvrissement et la stérilité des modes de pensée, qui étaient l'aboutissement de plusieurs siècles de rationalisme, nous nous sommes tournés vers le merveilleux et nous l'avons prôné de manière inconditionnelle. Une phrase du manifeste de 1924 est à cet égard assez péremptoire. Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau.
J'ai écrit l'ode à Charles Fourier au cours d'un voyage dans l'ouest des États-Unis qui m'a permis de séjourner au Nevada, en Arizona et au Nouveau-Mexique. Je m'y suis longuement attardé au spectacle des villes fantômes, Silver City, Virginia City, vestiges de la ruée vers l'or avec leurs maisons abandonnées aux portes battantes dont certaines ont gardé tous leurs meubles et leurs théâtres placardés d'affiches de l'autre siècle. Surtout, j'ai pu y assouvir un de mes grands désirs de toujours, qui était d'approcher les Indiens, et entre tous les Indiens Pueblo, Hopi et Zuni, dont la mythologie et l'art me touchent spécialement. Je n'ai pas abandonné l'idée de relater les impressions si vives que j'ai éprouvées dans leurs villages, Changopavi, Hualpi, Zuni, Acoma, me pénétrant de leur dignité et de leur génie inaliénable, en si profond et bouleversant contraste avec la condition misérable qui leur est faite. Je ne comprends pas que l'élan de justice et de réparation qui porte parfois l'homme blanc vers le noir et le jaune, de plus en plus couramment accepte l'Indien qui a donné tant de témoignages de son pouvoir créateur et a été de loin le plus spolié. »